C'est vous, mon père? Tiens, bah, qu'est-ce que vous faites là à 7h? Bah, comme d'hab, à cette heure, je vais me poser les miches sur mon banc, sous mon arbre. Ah ouais, je vois l'ambiance. Mon arbre, mon banc. Trois possessifs en une phrase, le ton est donné. Non, mais sans rire, qu'est-ce que vous foutez là? Oh, ben rien de bien constructif, hein, c'est sûr. Hein. Je prends l'air, je fais le point, je prends du recul, enfin, tout des trucs de bonne femme, quoi. D'accord. Vous pourriez pas faire le point dans le champ d'à côté? Question recul, vous seriez pas mal, et puis en plus, j'y suis pas. Alors, je vous dirai, mon souverain, pour commencer, que d'abord sur cet arbre, il n'y a pas votre nom marqué dessus, et d'une, que si j'ai besoin d'aller visiter une parcelle voisine, j'ai pas besoin de vos avis, et de deux, et que question recul, ça se passait mal, c'est pas si mal que ça, donc vous Poitiers, et de trois. Il n'y a pas de raison pour qu'on se fâche quand même. Mais d'habitude, on n'a pas tellement besoin de raison, hein. Je vous demande de vous trouver un autre coin que le mien. Le mien, voyez, vous recommencez. Écoutez, cet arbre a plus de 1000 ans, je crois qu'il a jamais entendu autant de conneries. Moi, ça fait des années que je viens pour être peinard, tout le monde s'accorde à dire que c'est plus ou moins le mien. Le mien, il a plus de 1000 ans, vous l'avez pas planté, si? Bon, oui, vous avez décidé de me faire chier. Mais pas du tout, j'étais là, moi, et vous venez de les briser. Bon, vous m'obligez à utiliser mon autorité suprême, vous savez que j'aime pas ça. Beau père, je vous demande de lever vos fêtes d'ici et d'aller vous trouver un autre coin que le mien. Ah, bravo, vous pouvez flamber, hein. Mais ça me fait pas plaisir, croyez-moi. Eh ben, je vous laisse votre coin, d'ailleurs. Et puis si vous pétant que ça, vous êtes qu'à venir y crêcher définitivement. Comme ça, vous commencez peut-être par nous les lâcher. Mais vous allez me foutre le camp, oui. Tiens, je connais un petit bosquet de mûrier au poil. Bonne journée. Belle qui tient ma vie, captive dans tes yeux, qui m'a l'âme ravie d'un sourire ravi. Viens-t'en me conquérir, où il me faudra. Oh, mais c'est pas vrai, encore vous! Mais c'est la tôle que vous cherchez! Mais attendez, laissez-moi parler! Qu'est-ce que vous voulez? Je croyais que vous alliez trouver un bosquet. Mais je vais y aller, vous inquiétez pas! Seulement, je suis allé aux cuisines pour me chercher un casse-dalle. Et comme vous êtes sur le chemin avec votre arbre, je me suis dit, tiens, je vais lui laisser larguer un petit morceau de pain au passage. Là, il y a le beau geste, pardon. C'est comme ça, quoi. Enfin, je vous ai connu moins fair-play, hein. Je vous interdis le périmètre et vous pensez à me ramener du singe. Vous prenez ou vous prenez pas? Ouais, je prends, mais enfin bon, vous allez pas vous barrer maintenant, vous avez bien... Ah mais je veux pas vous emmerder, hein. Non, mais c'est bon, j'aurai bien le temps de me ressourcer une autre fois, c'est pas les occasions qui manquent. Trop aimable. Ah bah c'était trop beau. Quoi? Et Pierre qui vous a eu ça? Ah, ça m'exaspère ces trucs-là, ça me porte sur le système. Qu'est-ce que vous faites? Bah, je le bute. Moi, je m'en fous, mais si vous, ça vous les brise. Ah, ça me gêne, vous qui aimez pas les exécutions? Non, mais là, c'est un piaf, et puis on n'est que nous. Moi, je vais vous dire, ce que j'aime pas dans les exécutions, c'est qu'il y ait du public. Ah bon? Pourquoi qu'est-ce que c'est la notion de spectacle qui vous gêne? Non, c'est pas. Je ne saurais pas dire pourquoi. Eh ben, moi, je vais vous le dire. Ça vous plaît pas parce qu'on est un des seuls pays à pratiquer la pendaison. Il y a une pendaison, je m'excuse, mais on s'emmerde. Oui, bah c'est la justice. Ce qui compte, c'est le résultat. Me faites pas marrer. Ça dure des plombes, le mec qui remue à peine les orteils, ça ressemble à quoi? Rien du tout. Bah ça ressemble à une pendaison, à quoi vous voulez que ça ressemble? On va pas faire venir les monteurs d'ours et les danseuses. Prenez par exemple la roue. Ça c'est festif. On attache le condamné. On commence par lui casser les bras et les jambes. Les gens viennent avec leur petit bâton. Les gens participent, c'est convivial. Ah non, c'est horrible. Pas du tout! Mais si, ça craint. Écoutez, on passe pour être un pays moderne, heureusement. Un pays bourré de délinquance, oui! Les gens n'ont pas assez peur. Ça impressionne qui la pendaison aujourd'hui? Mais personne! Alors vous prenez l'écartèlement. Ça, oui, ça c'est super. Non, ça craint.
Bah si, il y a du suspense. Les gens se demandent si c'est les bras ou les jambes qui vont lâcher en premier. Non. Oui, c'est un peu de gueule au moins. À vous, on se demande ce qui vous plairait, hein. Ouais, bah je vais vous dire moi ce qui me plairait. Alors, j'ai pensé à un truc, vous avez peut-être trouvé ça con, hein. Imaginez qu'on soit le seul pays au monde où la peine de mort n'existe plus. Bon, je suis désolé mon cher Foudra, mais j'ai autre chose à dire, à faire que de raconter des conneries. Bon, je te vous propose. Un de ces jours, on se fait une petite virée en Gaule, vous et moi. Comme ça, on se voit ce qui se fait à côté. Juste histoire de piocher des idées. Piocher des idées de quoi? Ben sur les exécutions. Oh non, mais vous êtes comme ça, hein. Mais soyez pas bornés. Vous n'êtes pas bornés, je vous dis que j'aime pas les exécutions, il faut aller en Gaule maintenant. Mais c'est juste pour voir. Mais c'est tout vu. Déjà que j'aime pas voyager, si c'est pour aller voir des mecs se faire désinguer, merci. Vous avez tort de ne pas vouloir régler le problème. Si on veut rester le pays le plus puissant, il faut qu'on ait des exécutions spectaculaires. Vous passerez pas à côté. Eh ben si, si, parce que je vais décréter que l'île de Bretagne est la première nation où la peine de mort n'existe plus. Voilà. Non, mais je vais pas le faire. Je dis ça comme ça, évidemment. Mais c'est l'idée, oui, l'idée, j'aime bien l'idée. Alors, ce que je peux vous proposer... On attache le condamné, on le jette sur un nid de frelons. C'est propre, c'est ça, c'est que du naturel. Mais t'es pas sûr, c'est quand même votre arbre. C'est l'avenir, dans 5 ou 10 ans, il n'y a plus que les barbares qui condamneront à mort. Mais attendez, sire, une petite virée en Gaule. Oh, merde. On en fera rien.